Renforcement des capacités des encadreurs des centres de vacances. Le ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion Professionnelle et du Service Civique à travers sa Direction de la Vie Associative et du Renforcement des Capacités des Jeunes, DVARCJ, a initié du lundi 18 au samedi 23 avril 2022, une formation de renforcement de capacités des encadreurs des centres de vacances. Elle se tient en prélude aux colonies de vacances. Renforcement des capacités. La cérémonie de clôture de ladite formation s'est tenue ce samedi 23 avril 2022 à l'orphelinat Garçon de Bingerville. Le but de cette formation théorique est de donner des rudiments nécessaires aux stagiaires pour leur permettre de tenir les centres de colonies de vacances. Contribuer, par des activités appropriées, au développement de tous les aspects de la personnalité physique, intellectuelle. En initiant cette activité, la DVARCJ veut renforcer les capacités des encadreurs de colonies de vacances. De façon spécifique, il s'agit d'actualiser les connaissances des participants, de développer les aptitudes des participants à encadrer une colonie de vacances, de mener des activités spécifiques à l'encadrement des colonies de vacances. Nous voulons aussi contribuer, par des activités appropriées, au développement de tous les aspects de la personnalité physique, intellectuelle, civique et morale de l'enfant, a ajouté le directeur de stage, M. Kobena Navoua, qui n'a pas manqué de remercier Mamadou Touré, ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion Professionnelle, du Service Civique pour son appui à cette initiative. Les bénéficiaires, ce sont au total 228 stagiaires qui étaient répartis en plusieurs catégories dont les stagiaires de premier degré, deuxième degré, les gestionnaires, les économes et les directeurs. Monsieur Constant Kofi, directeur de la DVARCJ, prenant la parole, a souligné la volonté du ministre de tutelle à faire le nécessaire pour que les colonies de vacances d'État puissent reprendre et les rassurer de l'effectivité des stages pratiques. Cette formation théorique est sanctionnée par un certificat de formation. C'est suite à une visite des stands qu'a prise fin la cérémonie. Lire aussi Action sociale, l'actrice Kadai Touré fait don à plusieurs femmes veuves d'Abobo. Notons que les centres de vacances sont un séjour collectif et temporaire, organisé hors du domicile familial dans un environnement adéquat, à l'occasion des week-ends, vacances scolaires au profit des enfants de 4 à 17 ans.